Je vais vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'une personnalité politique majeure du premier tiers du XXe siècle, puisqu'il s'agit de Raymond Poincaré. En effet, cette année, il y aura 90 ans que se terminait le fameux ministère d'Union nationale Poincaré, qui avait réalisé la dévaluation réussie de 1928. C'est une des grandes figures de l'histoire de France, plusieurs fois ministre au temps de la Belle Époque, puis ensuite président du Conseil en 1912, président de la République en 1913. Il est le président de la Première Guerre mondiale et s'identifie au même titre que Clémenceau à la victoire. Et puis ensuite, nous le verrons revenir à la présidence du Conseil à deux reprises, en 1922 d'abord, puis ensuite en 1926. Donc une figure majeure de notre histoire politique. Alors qui est ce Raymond Poincaré? Il est né à Bar-le-Duc en 1860, c'est un Lorrain, au patriotisme donc extrêmement farouche, hein, licencié S-lettres, docteur en droit. Il s'inscrit au barreau dès 1880, il a 20 ans, exceptionnellement brillant. Il va se retrouver secrétaire de la conférence des avocats et puis ensuite va s'engager rapidement en politique. Hein. En 1887, il est conseiller général de la Meuse, puis député de la Meuse. Il siégera à la Chambre de 1887 à 1903, puis ensuite il passera au Sénat de 1903 à 1913 et après son passage à l'Élysée, il reviendra au Sénat de 1920 à 1924. Donc une carrière politique, vous le voyez, bien remplie. Alors Raymond Poincaré, il est issu d'un milieu, celui de la bourgeoisie de province, je dirais normalement conservatrice. En même temps, c'est un farouche républicain. Dans les années 1880, il est hostile au projet de révision de la Constitution porté par le général Boulanger. Ensuite, il a une posture un petit peu d'indépendant à la Chambre. Il fait partie du bloc progressiste qui va correspondre en gros à la République modérée. Il ne se reconnaît pas en effet dans les outrances du courant radical que représente Clémenceau. En tout cas, c'est quelqu'un dont la compétence financière est très vite reconnue. On le voit rapporteur du budget des finances en 1890 et 1891, puis rapporteur du budget de l'État en 1892. Et puis, à la faveur du grand bouleversement qui survient dans les années 90 avec la crise boulangiste, avec la crise de Panama qui a suivi, eh bien, il fait partie de toute une jeune génération de politiciens qui s'apprête à prendre la relève de ceux qui ont été les pères fondateurs de la République au cours des deux décennies précédentes. Charles Duplis lui confie le portefeuille de l'instruction publique et des Beaux-Arts en 1893, puis ensuite le voilà avec le portefeuille des finances dans le deuxième cabinet Dupuis, puis dans le troisième cabinet Dupuis en 1894 et 1895. À l'époque, il est proche de Georges Legge, de Louis Barthoud, de Théophile Delcassé, qui représente bien cette nouvelle génération d'hommes politiques qui vont avoir en main, en quelque sorte, les destinées de la France au tournant du XXe siècle. On va le retrouver à l'instruction publique bientôt, dans le cabinet Ribaud, et là, il va même mettre en œuvre une réforme de l'université durable qui confirme en quelque sorte les compétences qui lui étaient déjà reconnues par ailleurs dans le domaine financier. Il va être vice-président de la Chambre de 1895 à 1897, il n'a même pas 40 ans, mais le personnage est extrêmement brillant. Son collègue Gabriel Hanotaux dira de lui qu'il éblouissait le Conseil des ministres lorsqu'il intervenait pour présenter une question ou un dossier.
C'est par ailleurs un excellent avocat qui poursuit en parallèle une carrière d'avocat. À l'époque de l'affaire Dreyfus, il est Dreyfusard, il est convaincu de l'innocence de Dreyfus et même s'il c'est un patriote intransigeant, eh bien il se range dans le camp de ceux qui pensent innocent Alfred Dreyfus. En 1906, on le retrouve avec le portefeuille des finances dans le cabinet sarien, et puis en 1909, il est reçu à l'Académie française. Donc on le voit, un parcours à beaucoup d'égards météorique, puisqu'en 1909, il n'a même pas encore atteint ses 50 ans. Ce n'est pas terminé pour autant, puisque en 1912, à l'époque où les tensions franco-allemandes sont très fortes, l'affaire d'Agadir date de quelques mois, où les tensions sociales sont très fortes, hein, on les a vues se manifester sous le ministère Clémenceau quelques années plus tôt, on est confronté à des grèves de fonctionnaires, des grèves de cheminots par exemple, hein. Eh bien en 1912, dans ce contexte un petit peu difficile, en janvier, le président de la République, Armand Falière, va faire appel à Poincaré pour lui confier la présidence du Conseil. Alors, il constitue un gouvernement qui est déjà un gouvernement d'union nationale, ce qui sera un petit peu sa marque ultérieurement dans les années 1920. En effet, dans son cabinet, on va trouver des gens comme Briand, comme Delcassé, comme Millerand. Un cabinet qui bénéficie d'une certaine faveur auprès de l'opinion, car on considère Poincaré comme patriote, bien sûr, et puis surtout comme un homme énergique. Hein. Lui-même, d'ailleurs, occupe le portefeuille des affaires étrangères. Il mène une politique, cela dit, prudente, notamment la France reste neutre lors de la guerre italo-turque de 1911-1912. Elle ne se mêle pas non plus des guerres balkaniques de 1912-1913. En revanche, Poincaré pousse l'avantage français au Maroc et en 1912, c'est la convention de protectorat qui intervient en mars et Poincaré va mettre à la tête du Royaume Chaïfien, son compatriote lorrain Lyautey. Il se préoccupe aussi de fortifier l'entente cordiale par un échange de lettres franco-anglaises en novembre 1912 qui envisage ce que pourrait être la coopération des deux pays en cas de conflit en Europe. Il s'attache surtout à resserrer l'alliance franco-russe et se rend en voyage déjà à Saint-Pétersbourg. Il va également intervenir sur le plan électoral en introduisant de la proportionnelle dans le mode de scrutin contre l'avis des radicaux, Clémenceau et Caillaux, qui sont des hommes forts du moment au sein du parti radical. Donc un bilan important de cette présidence du Conseil, mais on arrive en 1913 à la fin du mandat présidentiel d'Armand Falière. Et il va y avoir des élections donc pour l'Élysée, pour la présidence de la République. Clémenceau pousse Jules Pams, ministre de l'Agriculture, qui au premier tour devance Poincaré, mais finalement, au quatrième tour, celui-ci est élu par 480 voix sur 870 votants. Nous sommes en février 1913. L'opinion reçoit la nouvelle favorablement car Poincaré apparaît comme un patriote intransigeant, comme l'homme de la revanche. On loue également son énergie et aussi son honnêteté, sa rigueur sur le plan de la morale politique. Il continue à préparer un conflit éventuel. Il est reçu à Londres en juin 1913. En juillet-août, au moment où se discute la loi portant à 3 ans le service militaire, il soutient les partisans de celle-ci contre la gauche. Et puis en juillet 14, alors que l'attentat de Sarajevo a eu lieu quelques jours plus tôt, il se rend avec le président du Conseil Viviani, qui est arrivé au pouvoir dans la foulée des élections du printemps 14 qui ont vu la victoire des gauches, eh bien, il se rend en Russie, hein, un voyage qui a fait
couler évidemment des tonneaux d'encre, parce que évidemment on soupçonne Poincaré d'avoir encouragé les Russes à la fermeté, à l'intransigeance dans la crise qui avait été ouverte par la mort à Sarajevo de l'archiduc héritier d'Autriche. En tout cas, l'alliance franco-russe sort renforcée de ce voyage, et Poincaré fait un retour triomphal à Paris à la fin du mois de juillet, alors que les nuages s'amoncellent et alors que se prépare la guerre. Alors, quand celle-ci est déclenchée, Poincaré incarne le camp de la patrie. On le verra souvent dans les tranchées, comme plus tard on verra Clémenceau. La communication politique là, commence à fonctionner à l'époque. Il va entretenir des rapports toujours un petit peu difficiles avec les hommes au pouvoir, car c'est une personnalité forte, et les présidents du Conseil qui se succèdent ne supportent pas toujours facilement son autorité ou sa présence. Et malgré les différends qui les ont opposés, en novembre 1917, il va se résoudre à faire appel à Georges Clémenceau, celui qui va être au cours des mois suivants le père La Victoire. En tout cas, les deux hommes bénéficient à plein de celle-ci. En décembre 18, les visites effectuées à Strasbourg et à Metz reconquises, libérées, sont l'occasion d'un triomphe pour le président de la République, tout autant que pour le père La Victoire ou que pour les chefs militaires vainqueurs. Hein, c'est à Metz que Poincaré remettra au maréchal Pétain son bâton de maréchal. Les élections présidentielles s'annoncent en 1919, alors que la nouvelle chambre qui a été élue a vu la victoire du bloc national. Poincaré ne souhaite pas un deuxième mandat à l'Élysée, et il va quitter le palais présidentiel en février 1920 pour laisser la place à Paul Deschanel, qui a été élu de manière un peu inattendue contre Clémenceau, le père La Victoire. Cela dit, la Chambre vote une motion déclarant qu'il a bien mérité de la patrie. Durant les deux ans qui suivent, il va dénoncer les faiblesses du traité de Versailles et la politique de Briand, qui était une politique d'apaisement, de croyance dans les vertus de la société des nations, de rapprochement même avec l'Allemagne. Mais quand Briand démissionne en janvier 1922, eh bien, Poincaré va revenir aux affaires du 15 janvier 22 au 26 mars 1924. C'est son deuxième ministère dans lequel il prend, outre le poste de président du Conseil, le portefeuille des affaires étrangères. Alors, il est confronté au problème des réparations. L'Allemagne peut difficilement payer les sommes astronomiques que l'on attend d'elle. Et c'est à ce moment qu'en janvier 23 survient, à l'initiative de Poincaré, l'occupation de la Ruhr, qui va constituer une crise évidemment grave dans les relations franco-allemandes, d'autant que l'Angleterre ne suit pas la France dans cette politique d'intransigeance. Cela dit, Poincaré va réussir, appuyé par les Belges, à briser la résistance passive qui a été mise en place dans la Ruhr. Le chancelier Cuneau, qui s'opposait à l'occupation, doit démissionner au profit du chancelier Stresemann, qui va adopter une autre attitude dans les relations avec la France. Hein. Les Français, en plus, durant cette période, ont tenté de favoriser les tendances autonomiste rhénane, ce qui ne va pas, on s'en doute, faciliter l'avenir des relations franco-allemandes. En 1924, on arrive à un compromis avec la mise sur pied du plan d'Ewes, qui donne des délais relativement importants à l'Allemagne pour pouvoir payer les réparations. En 1924, les élections législatives du mois de mai voient l'échec du bloc national, l'Assemblée sortante, et la victoire du cartel des gauches. Et Poincaré, tout naturellement, va démissionner peu après, le 1er juin 1924. Il avait organisé un remaniement de son cabinet au mois de mars précédent. C'est donc le troisième cabinet Poincaré qui se termine à ce moment-là.
le cartel des gauches arrive au pouvoir, avec derrière une crise financière qui s'aggrave, on l'évoquera dans un instant à propos de la dévaluation. Alors, du coup, en 1926, le président de la République, Gaston Doumergue, va rappeler Poincaré à la présidence du Conseil, avec mission de constituer un gouvernement d'union nationale, où il y aura effectivement Herriot et Painlevé représentant la gauche, Louis Marin pour la droite, et puis des hommes comme Barthoux, Tardieu, Briand, toutes les sensibilités politiques donc sont représentées dans ce gouvernement Poincaré. C'est le quatrième cabinet Poincaré qui se met donc en place en juillet 1926 et il durera jusqu'en novembre 1928. Raymond Poincaré est lui-même président du Conseil et en même temps ministre des Finances et se fait accorder des pouvoirs spéciaux pour faire face à la crise monétaire. Il réclame 11 milliards de ressources nouvelles. Il a la confiance du Parlement qui lui accorde. Il a surtout la confiance de l'opinion. Et évidemment, ce paramètre-là est indispensable quand il s'agit de restaurer la monnaie. Du coup, les capitaux qui avaient fui à l'arrivée du cartel des gauches, qui voulaient faire payer les riches, selon son slogan, eh bien, les capitaux vont rentrer et les élections d'avril 1928 vont se révéler triomphales pour les candidats poincaristes. Alors, il va falloir maintenant, évidemment, passer à la dévaluation qui est absolument indispensable. Les Français se sont nourris d'illusions depuis 1918. La victoire obtenue aurait dû suffire, selon beaucoup, à régler tous les problèmes. L'Allemagne paiera, c'était le slogan, évidemment, qui avait été avant pour financer la reconstruction, pour restaurer le franc. On attend ce que l'on appelle le retour à la normale, c'est-à-dire le retour au franc or de 1914. Un franc, faut-il le rappeler, qui est resté parfaitement stable depuis 1803. C'est le franc germinal de Napoléon qui est toujours en place en 1914 en termes de valeur. Cette stabilité monétaire qui a été l'un des grands atouts du 19e siècle, eh bien, elle est partie en fumée avec la guerre et avec le coût qu'a représenté celle-ci en pertes humaines, en destruction, en gâchis effroyables, en matière d'emprunt tous azimuts, emprunt auprès des Français, emprunt à l'étranger pour soutenir un effort de guerre total aussi prolongé. Alors au sortir de cette guerre, bah, il faut rembourser la dette et il faut réussir aussi à stabiliser le franc. L'affaire est délicate, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette stabilisation, elle va reposer sur l'augmentation des impôts indirects, sur le refus de nouveaux emprunts à l'étranger. Elle va reposer surtout et avant tout sur la confiance. La confiance qu'inspire Poincaré. C'est une alchimie un peu particulière pour qu'un homme politique inspire ce genre de réaction, notamment chez les épargnants. Et on sait la place qu'était celle des épargnants à l'époque, hein, la place que tenait la confiance dans cette France qui était pour une bonne part une France de petits rentiers qui bénéficiait de l'accumulation qui s'était patiemment réalisée tout au long du prospère 19e siècle à la faveur de la stabilité monétaire. Eh bien, cette confiance, elle est au rendez-vous et la dévaluation de 1928 sera une réussite, tout comme sera une réussite la dévaluation organisée par Antoine Pinet au début de la 5e République. Et résultat de tout cela, dès 1928, la France retrouve son niveau de production de 1913 et ensuite elle sera dans une situation bien plus favorable que ses voisins quand elle sera touchée par les effets de la crise apparue aux États-Unis en 1929. Résultat de tout cela,
Poincaré va obtenir une majorité tout à fait considérable lors des élections qui vont suivre, et il va gouverner désormais avec l'appui de la droite et du centre, et en disposant d'une majorité suffisamment large. Alors, en juillet 1929, il est malade, il va se retirer bientôt de la vie politique, prendre sa retraite, au cours de laquelle il va rédiger les 10 volumes de ses mémoires qui racontent ce qu'a été sa présidence tout au long de la terrible épreuve de la guerre de 1914. Ces mémoires qui sont rédigées entre 1926 et 1934. Il va mourir à Paris en 1934 et va laisser le souvenir de l'un des hommes politiques majeurs du siècle passé. Alors, je suis très heureux, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Thierry Lenz pour présenter son dernier ouvrage, Bonaparte n'est plus, Le Monde apprend la mort de Napoléon, juillet-septembre 1821, ouvrage paru aux éditions Perrin. Il est inutile de présenter Thierry Lenz, auteur d'une nouvelle histoire du consulat et de l'Empire en plusieurs volumes chez Fayard, ouvrage qui fait autorité. Plus récemment, j'ai eu le plaisir de le recevoir pour parler de sa biographie de Joseph Bonaparte et également de son mémorial de Sainte-Hélène, le manuscrit retrouvé. Alors, pour ce qui concerne la mort de Napoléon, cet ouvrage vient à point nommé car on peut considérer que les gens qui s'intéressent au Premier Empire et à la figure de Napoléon, c'est un domaine un peu marginal, un peu méconnu que celui des réactions qu'a suscité en Europe l'annonce de la disparition de l'empereur. La question évidemment pouvait être posée de ce qu'allaient être ses réactions pour un personnage de cette envergure. On sait ensuite qu'il y a eu le développement de la légende napoléonienne, notamment après le retour des cendres de 1840. Qu'en fut-il immédiatement en 1821, moins de 6 ans après Waterloo, et la fin de cette expérience politique tout à fait exceptionnelle qu'avait été l'aventure napoléonienne. Alors Thierry Lenz, tout d'abord, la mort de l'empereur, le 5 mai 1821, comment les choses se passe-t-elle ? Il y a Napoléon qui se voulait empereur à Sainte-Hélène, a eu une mort d'empereur, c'est-à-dire une mort en public, une mort au cours de laquelle il a fait preuve d'un vrai courage. Et donc, cette mort survient après une assez courte maladie, hein, quelques semaines, le 5 mai 1821, et pour rassurer immédiatement vos téléspectateurs, Napoléon est bien mort de sa belle mort, il n'a pas été empoisonné, il est mort probablement d'une hémorragie interne massive dans les derniers jours. – D'un cancer à l'estomac. – Cancer à l'estomac au départ et hémorragie. Alors, cette mort, la nouvelle va arriver en Europe avec un certain décalage dans le temps, parce que Sainte-Hélène, nous sommes sous des latitudes équatoriales, dans l'Atlantique central, au large des côtes d'Afrique, et nous sommes à l'époque de la marine à voile. – Oui, c'est un petit peu aussi, enfin, ça n'est pas une découverte évidemment, on s'en doutait, mais c'est aussi un des éléments, un des acteurs du livre, c'est le temps. C'est-à-dire d'abord le temps que met la nouvelle à arriver en Europe, 2 mois, il faut 2 mois de navigation, donc ça veut dire que pendant ces 2 mois, alors que Napoléon est mort, on n'en sait rien en Europe, donc on continue à parler de lui comme s'il était vivant, hein. Ça c'est assez frappant. Et puis ensuite, la nouvelle se répand, mais au même rythme, au rythme des chevaux, au rythme des bateaux, un peu de télégraphe optique, mais pas trop à l'époque en Europe, donc c'est aussi un peu l'histoire du temps, du cheminement d'une nouvelle aussi importante. – Nous sommes loin évidemment du caractère instantané qui est celui de la circulation de l'information. Aujourd'hui. Hein. Alors, la nouvelle va arriver d'abord, évidemment, en Grande-Bretagne, en Angleterre.
un pays donc, qui avait autorité sur Sainte-Hélène et puis surtout qui avait récupéré la charge de garder en quelque sorte l'empereur déchu, le vaincu de Waterloo. Alors là, en Angleterre, la situation est un petit peu particulière parce que l'Angleterre, il y a d'autres questions qui agitent l'opinion en cet été 1821. Oui, en fait, les napoléoniens ou les napoléonistes pensent qu'en 1821, il n'y a eu que la mort de Napoléon qui a compté. En fait, l'Europe traverse une crise très importante, une crise de révolution libérale un petit peu partout en Europe. Donc le concert européen regarde tout ça avec, avec beaucoup de suspicion. Et puis chacun des pays a ses propres problèmes. Et l'Angleterre en a un qui est majeur, c'est la lutte entre les Whigs et les Tories. Donc les Tories sont au pouvoir, les Whigs essaient de prendre le pouvoir, se servent de tous les arguments pour affaiblir leurs adversaires, dont le sort qui est fait à Napoléon à Sainte-Hélène. Et puis le grand problème qui intéresse le public à l'époque, à la fois les élites et le grand public, c'est le couronnement du roi, Georges IV, qui doit avoir lieu le 21 juillet 1821, alors que la nouvelle arrive le 4. – Oui, et puis à un moment aussi où la reine, Caroline de Brunswick, disparaît, et la rumeur se répand qu'elle a été empoisonnée. – Voilà, alors la reine Caroline de Brunswick et l'ancien prince régent Georges Auguste se sont séparés depuis plusieurs années. La reine est partie en voyage en Europe pour bouder, et puis au moment où son mari accède au trône, elle se dit, tiens, au fond, je suis reine. Donc beaucoup plus pour embêter son mari que parce qu'elle a envie d'être reine, elle rentre en Angleterre et elle revendique la couronne, enfin la co-couronne avec son mari. Une espèce de princesse Diana avant l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, la grande question, c'est est-ce qu'on va l'accepter au couronnement? Alors la réponse du roi, c'est non. Et donc elle ne viendra pas au couronnement et quelques jours après, elle meurt subitement. Ce qui fait que beaucoup de gens diront, ce roi est vraiment malin parce qu'il s'est débarrassé de ses deux plus grands ennemis, Napoléon et sa femme, et tout ça avec du poison. – C'est ça, du coup la rumeur relative à l'empoisonnement éventuel de Napoléon… – Elle date de cette époque. – S'en trouve de fait renforcée. Mais alors en Angleterre, il y a aussi, vous l'avez évoqué, une question politique, parce que les Whigs reprochent aux Tories d'avoir été d'une certaine manière trop sévères avec l'empereur, avec celui qui avait été l'ennemi juré de l'Angleterre. – Oui, c'est un combat qui est mené par Lord Holland, hein, qui est le principal meneur de ce combat. Alors, il faut pas simplifier en disant que les Whigs sont favorables à la Révolution française et à l'Empire, mais on va dire qu'ils sont favorables à un accommodement, c'est-à-dire… On peut faire des compromis pour avoir la paix. De l'autre côté, vous avez la partie la plus dure de l'oligarchie britannique qui, elle, veut bien sûr combattre la France, non pas pour la liberté du monde, non pas pour lutter contre les Jacobins, mais pour la domination commerciale de l'Angleterre à cette époque. Et les Whigs, immédiatement après l'annonce de la mort de Napoléon, vont dire quelque chose à la Chambre des communes. Un député Whig dira « Bon, bien sûr, vous êtes maintenant débarrassé du problème de Napoléon, mais l'Angleterre mettra des siècles à se remettre du sort qu'elle a fait à Napoléon. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. – Et il y a quelques figures même qui s'inscrivent également dans ce discours. Je pense au docteur O'Meara qui a été à Sainte-Hélène et qui s'indigne justement du traitement qui a été réservé à l'exilé de Longwood. – Oui, alors lui il a été aux premières loges, il a très bien vu comment la santé de Napoléon déclinait. – C'est un Irlandais. – C'est un Irlandais, alors on va dire c'est un Anglais d'Irlande. Hein, parce que quand on dit c'est un Irlandais, il nous devient tout de suite sympathique. Donc, mais qui est devenu napoléonien, on va le dire, et qui, expulsé de l'île par le gouverneur Hudson Lowe, a mené le combat en Angleterre, à la fois, bien sûr, pour l'adoucissement du sort de Napoléon, mais aussi une espèce de combat personnel avec Lowe. Hein, c'est-à-dire que les deux hommes vont passer le reste de leur vie à s'envoyer des pamphlets, à se détester, à se faire des procès. Et à l'annonce de la mort de Napoléon, O'Meara ressort un petit peu de l'anonymat pour dire, ben voilà, je vous l'avais bien dit, c'est le climat qui l'a tué, c'est le sort que nous lui avons fait. Et en fait, il va un peu à l'appui des Whigs, dont on parlait tout à l'heure, mais
En fait, les Whigs, ça n'est pas ça qu'ils cherchent. Hein. Les Whigs, ils cherchent surtout à reprendre le pouvoir. – À reprendre le pouvoir, oui, bien sûr. Oui. Alors, Hudson Lowe, qui était le geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène, est lui aussi mis en cause par certains Angleterre. On le considère comme le responsable donc, de la mort de l'empereur, ou tout du moins de ne pas lui avoir apporté les soins qui étaient nécessaire. Et Hudson Lowe va traîner ça pendant longtemps aussi. Oui, il suit pratiquement Napoléon à deux. Enfin, la nouvelle de la mort à 2 mois. Il rentre en Angleterre au début du mois de septembre. Et en fait, il croit qu'il va être accueilli avec reconnaissance. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe parce que, en fait, il est le lampiste idéal. Hudson Lowe, qui est un fonctionnaire un peu rigide, n'a fait qu'appliquer les ordres que lui envoyait le ministre de la Marine, Lord Bathurst. Et en fait, Bathurst va bien sûr se retirer du dossier. En disant quand même ce lot, il a quand même exagéré, et il va le payer. C'est ça, il n'aura pas la carrière qu'il escomptait ensuite. Il n'aura pas une si mauvaise carrière compte tenu d'où il venait, mais il attendait beaucoup plus. Hein. Il attendait un anoblissement plus marqué. Il est par exemple, le prince régent veut le recevoir, enfin le roi, pardon, veut le recevoir, et il le fait attendre 2 heures dans un salon pour finalement ne pas le recevoir. Il le saluera vaguement à une réception de fonctionnaires. Enfin, lot va être très affligé. Il va être bien puni, mais il va être puni par les siens, finalement. – Par les siens, oui. Alors, il y a un personnage aussi anglais qui s'indigne du sort réservé à Napoléon, c'est Byron. – Oui. – Ça, c'est intéressant de le rappeler. – Alors, Byron, à l'époque, est en Italie. Il s'apprête à avoir son aventure grecque fatale. – Partir pour la Grèce, oui. Et à l'annonce de la mort de Napoléon, il écrit dans la nuit un texte sur Napoléon, un texte, on va dire, presque mystique, presque religieux sur Napoléon, qui va être immédiatement publié simultanément, si l'on peut dire, en français et en anglais, mais dans les semaines qui suivent l'annonce de la mort. C'est-à-dire que le texte de Byron est lui aussi un des acteurs de ce qui va se passer un petit peu partout en Europe, parce qu'il va être très connu et très très diffusé. Alors, il y a déjà une rumeur qui commence à se répandre, c'est la rumeur de l'empoisonnement. J'ai récupéré dans votre ouvrage, là, le titre d'un ouvrage de Jean-Claude Bézuchet du Saunois, qui s'intitule « Réflexion sur la mort de Napoléon, suivi de quelques considérations sur l'empoisonnement et les substances introduites dans l'estomac ». C'est tout un programme. Oui. Et cet auteur qui explique que, selon lui, rien n'arrête l'Angleterre quand il s'agit de son ambition. Oui. Alors, qu'en est-il de cette, rumeur, sur quoi s'est-elle fondée, et quel a été l'écho qu'elle a rencontré d'abord en Angleterre ? Oui. Alors, elle a émergé immédiatement parce que Napoléon a 51 ans au moment de sa mort. – C'est relativement jeune. – On le croyait en bonne santé alors qu'on sait aujourd'hui que c'est un homme qui a été malade toute sa vie. C'est-à-dire, bien sûr, il a eu une activité physique importante, mais il a eu pas mal d'affections. Et puis cette affection de l'estomac, il a toujours eu des problèmes, on va dire, de la sphère abdominale. Et donc là, elle s'est déchaînée. Mais 51 ans, mourant subitement, ça alimente la rumeur. Et on parle d'empoisonnement. Alors, Bézuchet, dont vous parliez, est un de ceux qui, en dépit de ce que vous venez de dire, et notamment le titre du livre, c'est celui qui dit, mais non, écoutez, on ne peut pas parler d'empoisonnement. D'abord parce qu'on ne sait rien sur ce qui s'est passé là-bas. Il faut attendre le rapport d'autopsie, puisqu'on a su très vite qu'il y avait eu une autopsie de Napoléon. Et puis, par ailleurs, vu les maladies dont on nous parle dans les journaux, parce que les nouvelles arrivent très… Bon, il est possible qu'avec une maladie pareille, cet homme soit mort. Mais le titre du livre va faire, comment dire, les choux gras des empoisonnistes du XXe siècle, en disant, voyez, dès 21, ce fameux docteur, parce qu'il a été très connu en son temps, l'avait déjà remarqué. Mais bon, les empoisonnistes n'avaient pas lu le livre. – N'avaient pas les éléments pour avancer ou supporter une théorie de ce genre. Oui, et on sait effectivement aujourd'hui qu'il est mort d'un cancer de l'estomac, qu'il était en plus inutile aux Anglais de l'empoisonner. Là où il était, entre guillemets, neutralisé. – Oui, il ne pouvait pas sortir, mais en plus le congrès d'Aix-la-Chapelle avait décidé qu'il resterait à Sainte-Hélène, autrement dit qu'il mourrait à Sainte-Hélène. Voilà, ouais.
Et alors, ça, c'est ce qui se passe en Angleterre. Alors, évidemment, il y a l'arrivée de la nouvelle en France, dans la France de Louis XVIII. Dans un contexte politique, faut-il le rappeler, un peu particulier, nous sommes un an après l'assassinat du duc de Berry, qui était le successeur prévu pour la monarchie restaurée, et même si son fils, l'enfant du miracle, le futur comte de Chambord, est né entre-temps, donc avec des ultras qui sont extrêmement vigilants quant à la continuité de la monarchie. Quelles sont les réactions d'abord des pouvoirs publics, et d'abord du roi Louis XVIII. – Alors, on ne connaît pas la réaction intime de Louis XVIII, c'est un personnage très secret, qui n'a évidemment pas dit à son voisin, dis donc, qu'est-ce que ça me fait plaisir, c'est probablement ce qu'il aurait dû dire. Oui. Mais Louis XVIII est beaucoup plus intelligent que ça, c'est vraiment un politiquement très fin, il veut promouvoir une politique de pardon et d'oubli, comme il disait, une monarchie paternelle, et donc… Bien qu'il ne puisse pas, de nos jours, je veux dire, le chef de l'État apparaîtrait à la télévision et nous dirait ce qu'il faut penser de la mort de Napoléon. Là, ça n'existe pas à cette époque-là, il n'y a même pas de communiqué de presse ni quoi que ce soit. C'est l'attitude du roi qui doit montrer l'exemple. Et le roi va avoir cette attitude, comment dire, laisser pleurer mes sujets qui ont envie de pleurer. Et puis voilà, c'est un moment de notre histoire qui se tourne. Alors, il y a, je ne sais pas si on a le temps de raconter cette affaire, il y a la fameuse affaire du général Rapp, où on lit dans la presse, et c'est vraiment le message de Louis XVIII, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Le général Rapp est de service aux Tuileries, ben évidemment, il apprend la mort de Napoléon, il devient pâle, il se sent mal, Louis XVIII l'appelle, lui prend la main en lui disant « je sais ce que vous souffrez, cher ami, retirez-vous dans vos appartements », voilà. Donc ça, voilà ce que vous voulait dire Louis XVIII. Le problème, c'est que cette scène n'a jamais eu lieu. – Ah oui, mais elle a été représentée en images. – Elle a été représentée en images, en gravure, les articles de journaux, etc. En fait, Lannes avait été quasiment insulté par le duc de Fitz-James, qui lui avait dit quelque chose du genre, ben voilà, vous allez prendre le deuil de votre ancien patron, etc. Et point final. Et Louis XVIII avait appris cette scène, et Lannes avait répondu, mais j'ai le deuil dans mon cœur. Rapp avait répondu, j'ai le deuil dans mon cœur. Et Louis XVIII appelle Rapp et lui dit, je sais ce qu'on vous a dit, je sais ce que vous avez répondu, et je l'approuve. Point. Et ensuite, on a brodé cette histoire beaucoup plus développée, qui est devenue la gravure. Bon, elle est reproduite dans le livre, et a été diffusée à des centaines d'exemplaires, et puis surtout tous les journaux. On racontait la version, c'est le roi qui va vers Rapp et qui lui prend la main. D'accord. D'accord. Alors, donc, Louis XVIII réagit en politique prudent et habile. Alors, il y a des gens qui vont se tourner vers quelqu'un qui a été un proche de Napoléon, qui a une carrière politique combien chargée derrière lui, c'est Talleyrand. Alors, Talleyrand, l'homme qui avait, entre guillemets, trahi lors du congrès d'Erfurt pour chercher un rapprochement avec la Russie d'Alexandre, comment réagit-il? Alors, la réaction traditionnellement attribuée à Talleyrand, c'est il est à un dîner, la maîtresse de maison apprend la mort de Napoléon et dit « Oh, quelle information !» Et Talleyrand répond « Madame, ce n'est plus une information, c'est une nouvelle. » C'est comme ça qu'on a toujours présenté. Alors, évidemment, dans un livre comme celui-ci, il fallait aller voir la source. Est-ce que Talleyrand l'a dit? Est-ce qu'il était bien là, etc. Alors, sans entrer dans les détails, je peux dès à présent vous dire que non, il n'a évidemment pas prononcé cette phrase. C'est une phrase qui lui a été qui est parue dans un journal royaliste et qui lui a ensuite été tout naturellement attribuée. On sait, enfin je sais maintenant où était Talleyrand, comment il a réagi, avec qui il était, et tous les témoins concordent, il a eu une réaction absolument digne de Talleyrand, c'est-à-dire pas un mot. C'est ça, oui, d'accord, oui. Alors, il y a un certain nombre de gens dont la réaction m'intéresse également. Celle d'un Chateaubriand, par exemple, qui, en 1814, publie de Bonaparte et des Bourbons, vraiment pamphlet très hostile à Napoléon, et qui, dans les mémoires d'Outre-Tombe, va reconsidérer complètement le personnage de Napoléon. Au moment de la mort, en 1821, comment réagit-il? On n'a pas trop d'informations sur les
des réactions, mais c'est aussi une information, c'est-à-dire que lorsqu'on recherche dans les grands personnages du temps, Chateaubriand, Cambacérès, les anciens grands compagnons de l'empereur, quand on recherche dans leurs écrits contemporains, on ne trouve rien. C'est-à-dire que la mort elle-même de Napoléon n'a pas remué le cœur de ces gens. Ils étaient en train de refaire leur vie. Oui. Ils avaient repris parfois des fonctions officielles. Ils avaient été récupérés par le régime. Par le régime. Il y a une petite phrase de Cambacérès dans une de ses lettres qui dit « Vous avez entendu parler de la mort de l'empereur, je le suivrai bientôt dans la tombe ». Voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, il parle de lui, il ne parle pas de l'empereur. Et ça, c'est très frappant. Et c'est même aussi frappant par la suite, lorsqu'on regarde les mémoires de ces gens. La mort de Napoléon n'y figure pas comme étant un événement de leur vie. Pour ceux qui ont survécu, le véritable grand événement de leur vie, pour les grognards, les généraux, les hommes politiques, c'est le retour des cendres. C'est-à-dire que voilà, la mort de Napoléon ne provoque guère de réaction. Un peu, je cite une lettre de la mère de Lamartine, qui est anti-napoléonienne au possible, et qui dit simplement « Bon, j'ai appris la mort de Bonaparte, je prie pour lui ». Voilà, bon, grosso modo, c'est un peu ça la réaction. – Et alors, on a évoqué là, la réaction de ceux que vous appelez les notables dans votre livre. Alors, quels sont les éléments dont on dispose concernant les réactions de l'opinion publique de manière générale? En 1815, il y a eu un soupir de soulagement quand même dans la France profonde, parce que Napoléon, c'était des guerres à répétition, la conscription généralisée interminable. En plus, quand on arrive au début des années 1820, les choses vont plutôt bien pour le royaume de France sur le plan économique. L'opinion française en profonde. Quels sont les éléments d'appréciation dont nous disposons ? Alors, les éléments d'appréciation sont, on va dire, de deux ordres. Bon, les réactions individuelles, on en a parlé, elles sont faibles. Mais ce sont les rapports de police, parce qu'évidemment, le gouvernement royal a craint l'annonce de la mort de Napoléon, d'autant qu'on est en pleine conspiration de la charbonnerie, les libéraux qui sont emmenés par l'incapable Lafayette, et c'est une des chances de la monarchie, font un peu de bruit, etc. Donc on se dit, attention, qu'est-ce qui va se passer ? Donc la police reçoit l'ordre de ne pas trop intervenir, laissez-les pleurer, mais surveille. Alors évidemment, les rapports de police sont toujours faits pour qu'il s'y passe quelque chose. Donc on a un grand nombre de faits, mais enfin, c'est quelques dizaines, c'est pas des centaines, c'est pas des milliers, qui montrent des réactions, on va dire, qui dépassent ce que disait à l'époque un des témoins, il disait « on pleure en dedans ». Alors de temps en temps, on va pleurer en dehors, mais ça n'a jamais d'ampleur, c'est-à-dire que… Quelques vieux soldats se réunissent à la colonne Vendôme, quelques jeunes gens font dire une messe à Nancy ou à Rouen, à Lyon on découvre des petites violettes noires, mais enfin la police en fait immédiatement l'affaire du siècle alors qu'il s'agit d'un pharmacien qui a réussi à teindre ses violettes en noir et qui est content de les vendre. Et puis bien sûr, à la mort de Napoléon, on achète plutôt des violettes, le père la violette, Napoléon. Voilà, donc on va dire que globalement la réaction est assez décevante finalement pour pour un napoléoniste. On a toujours cru que l'annonce de la mort de Napoléon avait provoqué une onde de choc, une onde de deuil, la naissance de la légende. En fait, ça n'est pas à ce moment-là que la légende va naître. Au mois de septembre, toute l'affaire est terminée. Les journaux en parlent à peu près pendant 10 jours. Et encore, ils ne peuvent livrer que les informations que les Anglais leur envoient. Parce que rappelons qu'il n'y a pas notre envoyé spécial à Sainte-Hélène. Tout passe par le gouvernement britannique. Donc, à un moment, on n'a plus rien à dire. Donc, on ne dit plus rien. – Alors, vous consacrez un chapitre particulier aux réactions en Corse. On pouvait s'attendre en Corse, évidemment, à des mouvements d'opinion, ou tout du moins des manifestations à l'occasion de la mort de l'empereur, mais finalement, un cousin de Napoléon, Ramolino, fait dire une messe à la cathédrale d'Ajaccio, c'est lui qui habite la maison Bonaparte à ce moment-là, la messe a lieu avec des pleureuses, alors la police remarque vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, sauf qu'elle ajoute dans son rapport qu'à un moment donné, ils vont à la maison Bonaparte pour se faire payer parce que c'était pleureuse, traditionnelle. Les Bonaparte refusent de payer, donc l'affaire est terminée.
Et alors, si nous quittons maintenant la France, quelles sont les réactions dans la famille Bonaparte, et notamment Marie-Louise, est donc à Parme à l'époque, grande duchesse de Parme, par rapport à l'annonce de cette disparition? C'est son mari qui vient de mourir, elle est toujours officiellement mariée à Napoléon. Alors, on l'a souvent vilipendée pour plusieurs raisons, on va essayer de vous dire ça très très vite. En fait, en valeur absolue, elle a la seule réaction qu'elle pouvait avoir, c'est-à-dire qu'elle fait prendre le deuil à la cour de Parme et elle fait communiquer la mort de son, je cite, « sérénissime époux ». On ne donne pas son nom, mais il n'y a pas besoin, tout le monde le sait. Et puis par ailleurs, comme elle vit déjà maritalement, on va dire, avec son premier ministre, le général Neipperg, et qu'elle est enceinte, elle va vouloir que cet enfant soit légitimé et elle se marie au lendemain de la cérémonie de deuil, si vous voulez, même le lendemain même. Donc, alors évidemment, on va dire, elle a immédiatement profité de la mort pour se marier. Bon, c'est un peu vrai, mais il faut regarder la psychologie de ce moment. Elle a d'abord une lettre très méprisante à l'égard de Napoléon à une de ses amies, et puis à la même amie, et on la cite toujours, évidemment, celle-ci, et à la même amie, elle écrit 15 jours plus tard que finalement, c'est vraiment une nouvelle qui lui a fait de la peine, parce qu'il avait toujours été bon avec moi, et j'espère qu'il sera mieux où il est maintenant. Voilà. Donc on va dire, autant qu'elle le pouvait et qu'elle le ressentait, elle s'est plutôt bien comportée, on va dire. – Alors il y a Marie-Louise et il y a le jeune duc de Reichstadt, l'Aiglon. Qu'en est-il ?– Il est à Vienne. – À Vienne, sous contrôle, on peut dire. – Oui, sous contrôle, on l'a fait duc de Reichstadt quelques temps plus tôt. Ah, il a 10 ans. Il est arrivé à Vienne à l'âge de 3 ans et demi, et il a été élevé comme un prince autrichien. Alors, on redoute tout de même un peu les réactions de son entourage, et c'est un de ses précepteurs qui est chargé de lui annoncer la mort de son père, et à la surprise générale, il a une crise de chagrin qui dure plusieurs jours, et qui étonne tout le monde, parce qu'on se dit, mais il n'a pas connu son père, etc. Et en fait, il ne connaissait pas bien son père, mais il y a eu vraiment la réaction du fils qui perd son père. Et puis ensuite, il entre dans le mutisme qu'on exige, au fond, des ducs autrichiens, et là on a beaucoup de mal à lui faire écrire à sa mère, à faire remercier. Et il y a un tout petit événement aussi que j'ai retrouvé là, parce qu'on dit, on dit toujours une contre-vérité, Metternich avait interdit que la maison du duc de Reichstadt prenne le deuil. Et l'empereur François d'Autriche, pour une fois, a contredit son premier ministre en ordonnant que la maison du duc prenne le deuil. Donc il y a eu deuil, non pas de cour, mais deuil de la maison du duc de Reichstadt à Vienne. Alors, vous évoquez aussi les réactions dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, en Russie. Mais avant de terminer, j'aimerais que l'on revienne sur votre dernier chapitre consacré à la question du retour des cendres. Parce que la question est posée dès 1821. Il y a même d'abord une rumeur qui veut que le corps de Napoléon ait été envoyé en Europe pour être reconnu. Pour qu'on dise c'est bien lui qui est mort. Alors en fait, on l'avait déjà fait à Sainte-Hélène d'une autre façon, puis il avait été inhumé à Sainte-Hélène. Donc le retour devient immédiatement une question, et le premier qui en parle publiquement, c'est Lafayette. Alors Lafayette est un des pires ennemis de Napoléon, mais là il a senti qu'il y avait un coup politique à faire. Et donc partant de là, les napoléoniens, les bonapartistes vont avoir ça en tête, toujours, ça va durer 20 ans, mais tous les ans à la Chambre, il y aura une motion, il va y avoir des pamphlets, il va y avoir jusqu'à, je vois peut-être où vous voulez me mener, la fameuse lettre de Madame Mère, qui est toujours citée en exemple de la lettre émouvante. Vous savez, elle écrit, c'est une mère qui vient demander le corps de son fils à l'Angleterre. Alors les historiens napoléoniens disent toujours, les Anglais n'ont même pas répondu à cette lettre-là, alors il faut aller lire la lettre en entier, et on comprendra pourquoi les Anglais n'ont pas répondu, parce que le reste, c'est un flot d'insultes contre le gouvernement britannique. Donc, ils étaient très contents de ne pas avoir répondre à cette lettre. Et puis, ajoutons, pour achever la réputation de la mère, qu'au départ, elle ne voulait absolument pas faire la demande du retour du corps de son fils, parce que ça aurait coûté cher. C'est ça. Ouais. Et on a une lettre d'elle à Pauline, où elle lui dit, j'ai accepté de faire votre lettre, puisque vous acceptez de payer les frais. Eh bien, merci Thierry Lenz pour cette évocation brillante des échos qu'a rencontré la mort de Napoléon à l'été de 1821. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Bonaparte n'est plus, Le monde apprend la mort de Napoléon, juillet-septembre 1821, aux éditions Perrin. Merci. Merci.